mercredi matin et je prends enfin le temps d'ouvrir ce carnet de lecture. Allez, c'est parti, on y va! J'ai tardé un peu avant d'ouvrir ce carnet et je m'en excuse, le début de semaine a été assez chargé. Et j'étais au bureau hier, donc j'ai vraiment pas eu le temps, je suis rentrée chez moi, il était 20h, donc je n'ai pas franchement le temps de vous prendre avant. Là, je vais filer emmener mon fils chez la nounou. Et je vais aller travailler puisque aujourd'hui nous sommes en coworking avec mes collègues. Donc voilà. Cette semaine, le programme, j'ai quelques livres à vous présenter, des livres qui ont rejoint ma palle pour changer. Donc je vous présenterai ça cette semaine. J'ai également un petit update lecture à vous faire sur ma lecture en cours qui est L'air que tu respires de Frances Despontes-Pibles, pardon. J'ai bientôt terminé ma lecture audio aussi, j'espère pouvoir vous faire un récap et vous donner mon avis final dans ce carnet de lecture. Il doit me rester 2 heures d'écoute, donc on va bien voir. Et voilà, et du coup je vous ferai ça un petit peu plus tard puisque là je suis déjà un petit peu en retard. Bon, et bien écoutez, je vous prends un peu plus tard. Et je reviens vous parler, il est 19h passé, je me suis un petit peu attelée à toutes les tâches et compagnie et je prends enfin quelques minutes pour venir vous parler de mes lectures en cours. En ce moment, comme vous le savez, je suis dans L'air que tu respires de Frances Despontes-Pibles. J'ai lu 300 pages sur 600, donc je suis clairement au milieu du roman. L'air que tu respires, de quoi ça parle? Eh bien écoutez, c'est l'histoire de deux femmes, Grazia et Dorès. Alors, je m'excuse pour cette prononciation, puisque là je vous prononce les noms en bon français, mais je suis presque sûre que ça ne se prononce pas comme ça. Donc si jamais vous êtes portugais, ou vous parlez très bien le portugais, n'hésitez pas à me dire comment ça se prononce, je n'en sais strictement rien, et je ne pense vraiment pas que ça se prononce à la française, c'est presque sûr. Donc bref, je suis désolée, je vais écorcher ces noms pendant tout le résumé de ce roman. Voilà. Donc, je reprends. Ces deux femmes-là, elles sont fillettes au début du roman et on va les suivre tout au long de leur vie, en gros. Grazia, c'est la fille d'un riche propriétaire d'une plantation de canne à sucre. Et, enfin, riche, façon de parler, pas si riche que ça, puisqu'on découvre assez vite dans le roman qu'il est... proche de la faillite. Et Dorès, c'est une fille de cuisine. En fait, elle fait partie des domestiques de cette maison hein, qui appartient à cette famille, à la famille de Grazia. Ces deux fillettes-là, tout les oppose, mais elles vont finir par se lier d'amitié. Une amitié très très forte, presque fusionnelle, presque passionnelle. Et elles vont découvrir le merveilleux monde de la musique grâce à la maman de Grazia notamment. Après beaucoup de péripéties, beaucoup de bêtises et compagnie, le père de Grazia décide de les envoyer dans un couvent pour parfaire un petit peu leur éducation, l'objectif étant bien sûr que Grazia devienne une parfaite petite épouse pour son futur mari. Voilà, pour la faire à peu près court. Tout ne va pas se passer comme prévu, bien sûr. Grazia et Dorès vont s'enfuir à Rio de Janeiro et elles vont commencer à vivre une vie complètement différente de celle qu'elles avaient jusque-là. Et elles vont découvrir le monde de la musique. Elles vont découvrir la samba, le fado et toutes les autres musiques locales. Et à travers ce livre-là,
C'est Dorès hein, qui parle, c'est Dorès la narratrice principale du roman. Dorès, lorsqu'elle écrit, enfin lorsqu'elle nous raconte l'histoire, elle est vieille femme, hein, parce qu'elle est, bon, je crois qu'elle a 80 ans, quelque chose comme ça. Donc elle a déjà bien vécu sa vie, et en fait elle nous raconte toute cette histoire d'amitié, cette histoire de relation très fusionnelle avec Gratza, et toute leur vie, comment elles sont devenues des chanteuses et des musiciennes célèbres, et c'est un petit peu tout ça qu'on nous raconte dans ce roman. Pour le moment, j'aime bien. Après, je suis très très lente. Alors, je suis lente parce que j'ai pas énormément de temps en ce moment pour lire. Ça, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière. Mais je suis lente aussi dans cette lecture parce que c'est un roman plutôt d'ambiance. Clairement, en fait, c'est un roman que je pourrais qualifier de roman musical. On nous parle beaucoup de la musique, on nous parle beaucoup de la samba, on nous parle beaucoup des musiques un petit peu folkloriques, locales. Et du coup, bah, c'est assez lent. Le rythme est assez lent. Il se passe des choses. Il se passe pas rien dans ce roman. Hein. Loin de là, il se passe beaucoup de choses. Il leur arrive énormément de choses. D'ailleurs, on se demande. Souvent, comment ça se fait qu'il leur arrive autant de choses, mais il leur arrive beaucoup, beaucoup de choses. Mais c'est vrai que, il peut se passer des pages et des pages où on parle de la musique, on parle du rythme musical, on parle de la samba, on parle des instruments, on parle de la musicalité, de l'oreille musicale, d'écriture de paroles de chansons, de ressentis, ce genre de choses. Et ben voilà, ce qui fait que le rythme est assez lent. Alors pour le moment ça me dérange pas plus que ça en soi parce que j'apprécie ma lecture. Ce qui me dérange un petit peu pour le moment c'est que les chapitres sont assez longs. En fait vous avez des chapitres qui peuvent faire une trentaine ou une quarantaine de pages et il n'y a pas du tout de numérotation de chapitres. En fait voilà les chapitres ça commence comme ça. Voilà vous avez juste un petit peu de blanc là et après hop vous avez le texte. Du coup, ça me perturbe un peu parce que je sais pas trop où j'en suis dans le récit, c'est assez lent, les chapitres sont très longs, donc du coup, on a vraiment l'impression de faire un peu du surplace et de pas trop avancer. Finalement, malgré tout, j'ai quand même lu la moitié du roman, donc bon, j'avance, mais c'est vrai que il faut l'avoir en tête quand on commence L'air que tu respires, c'est vraiment un roman d'ambiance plus qu'un roman d'action où il va se passer plein de choses. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette lecture en cours. Je suis toujours dans mon livre audio, mais ça je vous en reparle pas tout de suite. Et j'ai également deux livres à vous présenter aujourd'hui. En fait, au total, j'en ai quatre à vous présenter là qui ont rejoint ma palle dernièrement. Mais les deux autres sont à l'étage. Donc j'ai vraiment la flemme d'aller les chercher. Je vous les présenterai un peu plus tard dans la semaine. Mais j'en ai quand même deux qui sont à côté. Donc je vais vous les présenter maintenant. Le premier roman dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui a rejoint ma palle et ma bibliothèque, c'est un roman des éditions Gallmeister et plus précisément de la super édition, enfin super collection, pardon, Totem, collection que j'adore. Je vous ai notamment parlé la semaine dernière de L'île des âmes de Pier Giorgio Puglisi qui était édité hein, dans cette collection-là. Je trouve que leurs parutions, elles sont juste géniales. J'adore cette maison d'édition. Et voilà. Et du coup, je me suis procuré ce roman qui est La couleur de l'eau de James McBride. Voilà. Je ne connais pas l'auteur. Je l'ai vu en fait de nombreuses fois passer. En fait, j'aime beaucoup la couverture et la quatrième de couverture, je l'ai trouvée très très intéressante. Donc, c'est clairement pour ça que j'ai craqué. Donc, que vous dire sur ce roman? Enfant, je n'ai jamais su d'où venait ma mère. Arrivé à l'âge adulte, James McBride interroge celle qui l'a élevée et dont la peau est tellement plus claire que la sienne. Il découvre l'histoire cachée de Rousse, fille d'un rabbin polonais qui a bravé tous les interdits pour épouser un noir protestant en 1942. Reniée par sa famille, Rousse élève James et ses 11 frères et sœurs dans la précarité, le chaos et la joie. Pour elle, peu importe la couleur de peau, seul compte l'avenir de ses enfants. Ils feront des études et ainsi choisiront leur vie. Tressant leurs souvenirs, James McBride raconte, plein d'amour et de fierté, une femme forte et secrète, lucide et naïve, imperméable aux préjugés, sa mère. Voilà. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, ce résumé, il me tente carrément. C'est un tout petit roman, puisqu'il fait
265 pages. Donc autant vous dire que ça va se lire très très vite, je pense. J'ai vu, parce que j'ai reçu les dernières parutions là, de Gallmeister dans ma boîte mail aujourd'hui, et j'ai vu qu'il avait sorti un nouveau roman. Alors je ne sais pas ce que c'est, le titre du roman. Je vous le mettrai, je pense, en bas ou en barre d'infos. Voilà, moi je connais pas du tout James McBride, donc si jamais vous connaissez, dites-moi ce que vous avez lu de cet auteur. Mais en tout cas, ça me tente beaucoup, La couleur de peau de James McBride. Voilà. Ensuite, deuxième roman. Alors celui-ci, j'ai craqué parce que franchement, il y a une personne sur YouTube qui en a extrêmement bien parlé. Sur YouTube et Instagram, hein, d'ailleurs, qui en a extrêmement bien parlé. Et je ne pouvais pas passer à côté, étant donné qu'elle en a fait, mais alors, une chronique, mais dithyrambique, clairement. C'est une chronique, passionnée qu'elle a fait sur ce roman. Et vraiment, 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 plus je l'écoutais, plus je me disais, mais en fait, tu peux pas passer à côté de ce livre. Non, c'est pas possible. Donc, j'ai craqué pour On n'empêche pas une étoile de briller de Tony Béard, et c'est un roman qui a été très 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 bien vendu par Laura du compte Les mots des autres. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne, j'aime beaucoup le contenu qu'elle propose et j'aime beaucoup les livres qu'elle présente, parce que souvent les livres qu'elle aime bien, ce sont des livres que moi j'aime bien aussi, donc je pense qu'on a un peu les mêmes goûts. Et, et là je me suis dit, ok, bon, vu qu'elle a adoré celui-ci, je vois pas pourquoi moi j'aimerais pas. Donc je me suis un petit peu jetée sur ce roman. En sachant que j'ai déjà le premier roman de l'autrice dans ma palle, qui est La chanson du rayon de lune. Je regardais, mais oui, il est là. De la même autrice. Voilà, La chanson du rayon de lune, que je n'ai pas lu. Mais ça ne serait tardé. Voilà, voilà. Je vous lis la quatrième, du coup. Paris 2021, une femme mystérieuse et charismatique, coiffée d'un large chapeau, son regard clair caché par des grandes lunettes de soleil, sonne chez Max Dahan au 19 bis boulevard Montmartre. Cet inconnu, c'est Sacha Volcan, que Max a passionnément aimé. Ils se sont connus dans les années 1960, au temps du golf Drouot et du rock'n'roll. Elle était dactylo, lui garçon de course, et tous deux rêvaient d'Amérique et de musique. Complices, amants ou ennemis, leur histoire a traversé le temps et les continents. Chacun a fait des choix pour rester fidèle à lui-même. Alors pourquoi Sacha est-elle revenue en ce beau matin de juillet? Des grands boulevards parisiens à Hollywood Boulevard, des pavés de mai 68 aux plages de Malibu, des hippies de San Francisco aux branchés des bains de douche, l'histoire émouvante et mouvementée d'un couple qui a fait le pari d'écrire ses propres règles du jeu. Mais jusqu'où? J'espère que cette quatrième de couverture vous aura autant donné envie qu'à moi. Je ne m'attarde pas puisque c'est l'heure du biberon de notre bébé, donc on va se dépêcher. Mais je vous souhaite une très bonne continuité de vidéo et je vous reprends plus tard. Aujourd'hui, on est vendredi midi, je prends le temps de venir vous parler sur ma pause déj. Pourquoi? Parce que j'ai terminé mon livre audio, donc je vais vous faire un petit retour sur mon livre audio. Et puis parce que j'ai deux autres livres, je vous en avais parlé, hein, à vous présenter. Un livre des éditions Charleston, que je veux lire depuis une éternité, donc voilà, donc je suis bien contente de l'avoir en ma possession pour pouvoir le lire. Je sais pas ce que c'est, ma coupe de cheveux, bon, bref. Donc un livre des éditions Charleston et un livre des éditions Faubourg Marigny, qui est une maison d'édition qui est assez récente, qui a été créée il y a un petit peu plus d'un an je crois. Et je n'ai encore jamais lu de roman chez eux, mais franchement à chaque fois leur catalogue de parution me fait extrêmement envie. Donc c'est l'occasion de découvrir un petit peu ce qu'ils peuvent publier et voilà. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on commence par le petit récap de ma lecture audio. Petit récap, ma lecture audio, comme vous le savez, c'est La charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan. Je vais pas vous refaire le pitch et compagnie, je vais juste vous faire un petit récap de l'histoire. En fait, l'histoire c'est celle de Nina. Nina est une bibliothécaire qui vit à Birmingham, qui va perdre son travail
Et du coup, elle va décider de tout plaquer pour se lancer à son compte et elle va acheter un van en Écosse pour en faire une librairie ambulante. Et donc, elle va parcourir les routes écossaises. Et voilà, c'est l'histoire de base, c'est le pitch. Sur le papier, l'idée de base, elle est prometteuse, elle est hyper alléchante. Je trouve que c'est plutôt sympathique comme idée. On a un rapport à la littérature qui est plutôt bien amené, qui va ravir un peu tous les amoureux des livres, hein, puisque c'est vraiment sympa. On a des belles références à chaque fois aux livres, au monde littéraire, aux librairies, à la bibliothèque et compagnie. Donc c'est plutôt sympa. Malgré le fait que les références littéraires, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de titres de livres qui sont cités dans ce roman, et malgré le fait que ces livres-là bah, finalement sont pas existants, et j'ai trouvé que c'était un peu dommage, ça n'empêche que la thématique de la librairie van un petit peu ambulante et tout, ça apporte une petite touche colorée, une petite touche sympathique, et voilà, et ça c'est plutôt sympa. Pour continuer sur les points positifs de cette lecture audio, j'ai bien aimé parce que ça nous fait voyager. En fait, Nina, elle s'installe en Écosse et dans les Highlands d'ailleurs. Et clairement, on retrouve l'ambiance particulière des Highlands. Si vous y êtes déjà allé, vous retrouverez l'ambiance sans aucun souci. Si vous n'y êtes encore jamais allé, ça va clairement vous donner envie de découvrir cette région parce que c'est superbe tout simplement. Tout y passe, donc des somptueux paysages, des paysages qui sont presque enchanteurs, des Highlands, en passant par les spécialités culinaires qui sont clairement alléchantes et qui vous font saliver. Et ça va jusqu'au folklore, jusqu'aux traditions locales, le kilt, etc. C'est plutôt sympa. Voilà, on découvre un peu l'Écosse sous un autre angle dans un livre, dans un livre plutôt feel good. Donc vous allez me dire, jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien, effectivement. Mais ça n'empêche que j'ai été assez déçue, voire même très déçue, pour ne rien vous cacher, par cette lecture. La raison, elle est assez simple. En fait, je m'attendais pas à lire ce genre de livre. En commençant mon écoute audio de la charmante librairie des jours heureux, je m'attendais à lire, enfin en tout cas à écouter un roman feel good avec des thématiques un peu profondes abordées, de façon un peu sympathique, avec une petite touche d'humour, bref, ce qu'on peut retrouver dans un roman feel good. Or, en l'occurrence, plus ça allait, moins le roman était un roman feel good et on s'est vite retrouvé dans un roman à l'eau de rose. Un peu mièvre, enfin un peu complètement mièvre, avec une histoire finalement assez banale et franchement ça a été assez décevant pour moi. Ça a été, j'ai pas franchement passé un bon moment de lecture parce que plus ça allait, alors on va dire que la première partie du roman s'est bien passée parce que j'avais vraiment l'impression d'être dans un roman feel good et je trouvais ça très sympa. Et en fait au moment où ça a basculé, où j'ai eu l'impression de tomber dans un roman à l'eau de rose, clairement là ça a complètement gâché ma lecture, j'en avais marre en fait, je voulais vite finir l'écoute audio parce que ça me gonflait sévèrement. Ce qui a fait qu'on tombe très rapidement dans un roman à l'eau de rose, c'est l'évolution des personnages et ça m'a pas mal dérangée. Les personnages, c'est un peu compliqué. On a le personnage principal de Nina, qui au début, moi je la trouvais plutôt attachante. Elle était jeunette, mais assez naïve dans sa façon d'être, mais de façon mignonne. Voilà, enfin, plutôt quelqu'un qui se dit, où on se dirait, bon bah elle manque un peu d'expérience, mais voilà, ça lui donne un charme, c'est plutôt intéressant et compagnie. Et en fait, plus on avançait dans le roman, plus le côté naïf de Nina, j'ai mon chat derrière là que vous devez voir passer, plus le côté naïf de Nina ressurgissait et prenait de la place. Et en fait, elle est vraiment beaucoup trop ingénue. Et certaines de ses réflexions, certains de ses gestes m'ont vraiment fait lever les yeux au ciel en me disant « mais c'est pas possible, enfin à un moment donné, il faut arrêter. » Donc déjà, on va dire que passé la première partie du roman, Nina, elle commençait sévèrement à m'énerver, donc c'était pas forcément gagné. Ensuite, il y a deux autres personnages masculins qui reviennent. Alors, je ne vais pas vous expliquer les tenants et les aboutissants. Je ne vais pas vous spoiler non plus dans le livre, surtout si vous le souhaitez le lire. Donc, je ne vais pas vous spoiler. Mais il y a deux personnages principaux masculins qui reviennent.
régulièrement. D'abord, on a Marek. Alors, Marek, c'est une véritable caricature, hein, clairement. Donc, ça, c'est pareil. Je me suis absolument pas attachée à ce personnage-là parce qu'on est complètement, complètement dans la caricature. Et c'est impossible de s'attacher à un personnage comme ça. Qui est un homme réfugié, alors je sais même plus d'où il vient, je sais plus si c'est de l'Europe de l'Est ou de l'Europe du Nord, enfin bon, par. Si, c'est en, il est letton, je crois, il vient de Lettonie, un truc comme ça, ouais. Donc on est dans la caricature du réfugié qui parle à peine la langue du pays dans, laquelle elle est, dans lequel il est installé, qui a une autre vie, enfin bon, qui mène moitié une double vie, enfin, je vous passe les détails, mais c'est vraiment très caricatural. Et le deuxième personnage principal, masculin, principal, je vais y arriver, je vais pas y arriver, je reprends. Le deuxième personnage masculin qu'on voit assez régulièrement dans le roman, c'est Lennox. Et Lennox, j'ai pas compris, voilà, ça, alors là c'est pire que tout. J'ai eu l'impression que ce personnage avait changé considérablement au cours du roman. C'est-à-dire qu'au début du roman, quand on fait la connaissance de ce personnage-là, moi, j'étais persuadée que c'était un fermier assez. Enfin, en tout cas, il était décrit comme un fermier bourru, assez simplet. Je sais pas pourquoi, moi, je m'étais imaginé que c'était un vieux monsieur parce qu'il traînait toujours avec les messieurs des pubs, machin. Enfin, voilà, donc je lui aurais dit. Enfin, un vieux monsieur, façon de parler, hein, pas 80 ans, mais voilà, moi, j'aurais dit plutôt un fermier d'une cinquantaine, soixantaine d'années, voilà. Et finalement, au milieu du roman, on bascule totalement, et donc Lennox, il devient. Un homme grand, fort, athlétique, avec des beaux yeux bleus, très sexy. Et voilà. Et ça sort de nulle part parce qu'on nous l'a jamais dit avant. Et là, d'un coup d'un seul, on se retrouve avec ce genre de personnage sur les bras. Donc, voilà. Donc, franchement, l'évolution des personnages, c'est quelque chose qui m'a un petit peu hérissé le poil et c'est ce qui fait que j'ai pas trop apprécié ma lecture. Pour conclure, parce que j'ai pas y passé 15 ans hein, sur ce roman-là, pour conclure, si vous souhaitez un roman à l'eau de rose, assez mièvre, mais voilà, qui reste quand même sympathique, qui vous fait un peu voyager, etc., allez-y. Par contre, si vous n'aimez pas les romans à l'eau de rose, passez votre chemin, ce n'est pas pour vous, vraiment. Je pense que j'aurais abordé ma lecture différemment si j'avais su que je me lançais dans un roman, dans une espèce de romance, en fait. Et là, c'était pas le cas. Bref. Changeons de sujet, je veux absolument vous présenter les deux livres qui ont rejoint ma palle. J'en profite pour boire mon café parce qu'après il faut absolument que j'entende travailler et clairement vu l'après-midi qui m'attend, croyez-moi j'en ai bien besoin de ce café. Le premier c'est un roman des éditions Charleston que je veux lire depuis qu'il est sorti. Je le guette tout le temps sur Vinted et je suis extrêmement ravie qu'il soit en ma possession. La librairie des rêves ensevelis de Madeleine Martin. Madeleine Martin, je ne sais pas comment ça se prononce. Je ne sais pas si elle est française ou pas, l'autrice, mais bref. Voilà. Je vous lis la quatrième de couverture. Hyde Park, le grand magasin à Rhodes, les bus rouges à Impérial. En s'installant à la capitale, Grace Bennett découvre le charme et l'effervescence de Londres. Mais le travail qu'elle décroche dans une petite librairie est bien loin du glamour dont elle rêvait. Les étagères où s'entassent les livres croulent sous la poussière. Le propriétaire, Monsieur Evans, est aussi revêché et austère que l'intérieur exigu de son établissement. Et dehors, la guerre gronde déjà. Pourtant, entre les blackouts et les évacuations qui rythment son quotidien, c'est au cœur de ces rayonnages pleins à craquer que Grace trouve une ressource insoupçonnée et s'abandonne aux joies de la lecture. Une nuit de bombardement. Alors que la panique règne dans l'abri anti-aérien où tout le quartier a trouvé refuge, Grace commence à lire à voix haute. Et chaque soir d'attaque, bravant l'horreur et la peur, elle va puiser dans les plus beaux romans de la littérature anglaise l'espoir de jours meilleurs. Inspirée de l'histoire vraie des libraires londoniennes qui sont restées ouvertes pendant le Blitz, un roman historique poignant sur le pouvoir unificateur et inspirant des livres et de la littérature. Voilà. Bon, avec ce que je vous ai dit un petit peu avant sur la librairie des jours heureux, j'espère qu'on va pas être dans le même registre, hein, et j'espère vraiment que ce roman viendra répondre à toutes nos demandes et toutes. Voilà. Mais voilà, en tout cas, j'aime beaucoup, j'adore la couverture, j'ai hyper envie de me plonger dedans. En plus, il est pas très long, il fait à peine 300 pages. Je me dis que potentiellement je pourrais peut-être le lire bientôt, je vais peut-être me le casser bientôt.
On va voir. Autre roman que, pour lequel j'ai craqué, je vous le disais, c'est le premier roman pour lequel je craque chez cette maison d'édition Faubourg Marigny. Il s'agit du Chant de la Vengeance de Megan Chance. Je vous lis la quatrième. Après le décès de sa mère, May Kimble se retrouve seule et sans le sou jusqu'à ce qu'une tante qu'elle ne connaît pas lui propose de venir la rejoindre à San Francisco. Elle est alors accueillie par la riche famille Sullivan et leur cercle social. Les soirées mondaines se succèdent, les rencontres avec les grands noms de la ville qui lui dévoilent un monde qui était inatteignable pour elle jusqu'alors. May est impressionnée par l'opulence de sa nouvelle vie, mais elle sent que les zones d'ombre sont importantes chez les Sullivan. Sa cousine, la belle Goldie, disparaît souvent la nuit. Sa tante vit dans un brouillard continu à cause du laudanum. Et l'une des servantes de la maison ne cesse de mettre May en garde. Prise dans un tourbillon de trahison, de folie et de meurtre, May risque de tout perdre, et notamment sa liberté, au profit de ceux en qui elle a le plus confiance. Et puis un jour d'avril, la terre va trembler à San Francisco. Se relevant des ruines fumantes, May va enfin prendre son destin en main pour récupérer ce qui lui appartient et se venger. Voilà! Donc il y a quand même indiqué un roman historique stupéfiant et richement imaginé. Voilà, voilà, voilà. Donc autant vous dire que ça me tente beaucoup aussi. Deuxième roman qui a rejoint ma palle. Bon, écoutez, sur ce, je pense que je vais en rester là pour aujourd'hui. Je viendrai vous reparler un petit peu plus tard, notamment de ma lecture papier, L'air que tu respires, que j'ai pas mal avancé là, il me reste 150 pages. Donc je devrais, j'espère, pouvoir vous donner un avis final avant la fin de ce carnet de lecture. Voilà. Bon, et bien, je vous souhaite une belle continuité de vidéo. À plus tard. On est allé à la médiathèque ce matin et du coup on a profité pour emprunter quelques livres. Alors moi j'ai surtout emprunté des romans graphiques, j'ai été raisonnable, j'ai emprunté qu'un seul roman pour la simple et bonne raison que le Grand Prix littéraire des lectrices commence la semaine prochaine pour moi et donc je ne veux pas trop me charger en termes de lecture. Donc j'ai pris Les Mille et Une Vies des Urgences qui est adapté du livre de Baptiste Beaulieu. Je crois que c'est... oui, voilà. Alors voilà, Les Mille et Une Vies des Urgences. Voilà, c'est des histoires un peu... Enfin, c'est toutes les histoires qu'on peut retrouver aux urgences. Le dessin a l'air assez sympa. Alors, j'ai pas lu hein, le roman de Baptiste Beaulieu, mais je me dis que ça peut être une belle découverte. Ensuite, j'ai pris Crushing de Sophie Burrows, que j'ai vu passer, mais... vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de fois. Et je trouve que les dessins sont superbes. Je vous montre un peu là les planches. C'est trop beau, hein? Voilà. Et le dernier roman graphique que j'ai pris, c'est Ada. C'est pareil, les dessins sont superbes. Alors, Ada, je sais pas trop de quoi ça parle, mais franchement, les dessins sont d'un réalisme assez incroyable. Donc voilà, je viendrai vous en reparler quand je les aurai lus. Et à côté de ça, j'ai pris Les Filles au Lion de Jessie Burton. C'est pareil, je ne sais pas trop de quoi ça parle. C'est un roman qui se passe de mémoire en 1967. Voilà. Je vous en reparlerai un peu plus tard. Je vous mets un peu la quatrième de couverture là si vous voulez faire un arrêt sur image pour lire. Enfin, voilà. Ça me tentait bien et voilà, et on verra. Du coup, il est quand même assez gros. Hein. J'ai presque 500 pages. J'avais très très envie de me prendre Au fond de l'eau de Paula Hawkins. Et il y avait également Monsieur Mercedes de Stephen King. Mais j'ai été raisonnable, ce sera pour un autre mois. Voilà, on est samedi aujourd'hui et je reviens vous parler pour vous donner mon avis final sur L'air que tu respires de Frances Despontes Pibles que j'ai terminé il y a quelques instants et voilà, j'en profiterai aussi pour clôturer ce carnet de lecture.
J'essaye de faire vite parce que je suis attendue, je suis sur le départ ce soir, c'est soirée entre filles. Donc du coup, je me dépêche, mais je prends quand même le temps de vous expliquer un petit peu mon ressenti sur l'air que tu respires. Donc comme je vous disais, l'air que tu respires, c'est un roman qui parle notamment de l'histoire de la samba qui se passe au Brésil dans les années 30 et qui vient raconter l'histoire de Graça et Dorès, deux femmes brésiliennes que tout oppose mais qui vont se lier d'amitié et qui vont être liées par une passion commune qui est la musique. Voilà un petit peu le résumé de l'histoire. L'air que tu respires, ça aura été une lecture en demi-teinte pour moi. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de dynamisme dans ce roman, il se passe beaucoup de choses depuis l'enfance de ces deux fillettes, à la fin de leur groupe de musique qu'elles ont créé toutes les deux, Sofia Salvador et les Blue Moon. Pas que toutes les deux, mais bon, je rentre pas dans le détail, je veux pas non plus vous spoiler. Elles ont une vie bien remplie, une vie à 100 à l'heure, il se passe plein de choses, mais malgré cela, il y a une lenteur dans ce roman, une certaine lenteur qui, je pense, est liée à la musicalité de cette histoire. Comme je vous le disais au tout début de ce carnet de lecture, en fait, on parle beaucoup de la samba, on parle beaucoup du rythme musical, on parle de ce que la musique nous fait ressentir, on parle de ce qu'elle apporte dans la vie quotidienne, on parle des rodas qui sont des moments créatifs, proches de la trance musicale. Mon bébé est à côté, il joue, et de toute évidence, il veut participer à ce carnet de lecture. Donc voilà, donc même si j'ai trouvé que toute cette musicalité, elle était nécessaire, elle était intéressante, et oui, elle est indispensable en fait pour comprendre la création du groupe de musique, et elle est intéressante pour tout ça, mais ça n'empêche que pour moi, ça apporte une certaine lenteur, et on a un peu l'impression de traîner notre lecture et de subir un peu le rythme. En plus de ça, je reviens pas dessus, mais comme je vous disais, la construction du roman est un peu particulière. Les chapitres sont très longs et je pense que ça vient accentuer un peu cet effet de rythme ralenti. L'air que tu respires, en plus d'être un roman qu'on pourrait presque qualifier de musical, c'est aussi un roman sur une amitié foudroyante, une amitié fusionnelle, une amitié impossible. Celle de Graça et Dorès. Et en fait, cette relation, elle est extrêmement complexe, mais elle est également passionnelle, elle est proche de la relation amoureuse, mais en fait, elle est aussi complètement toxique et complètement destructrice. Et à plusieurs reprises, en fait, je me suis demandé pourquoi est-ce que Dorès, elle restait, pourquoi est-ce qu'elle subissait tout ça. Pourquoi est-ce qu'elle disait pas à Graça « c'est bon, ça me saoule, on arrête là quoi ». Et en fait, non, elle continue, et c'est parce que j'ai compris que c'était plus fort qu'elle. Et en fait, Graça, elle abuse vraiment du lien qu'elle a avec Dorès encore et encore, jusqu'à aller trop loin. Et parfois, cette relation, elle m'a un peu agacée, parce que il y a énormément de jalousie entre elles, il y a beaucoup de... En fait, elle s'aime autant qu'elle se déteste presque, et... Il y a des fois c'est lourd, c'est pesant et parfois ça m'a un peu agacée, ça m'a un peu fait lever les yeux au ciel. C'est très bien décrit hein, de la part de l'autrice, mais c'est vrai que parfois c'est lourd. Sur 600 pages, c'est faut avoir les épaules pour supporter cette oppression qu'on ressent presque par rapport à cette relation qui est vraiment particulière. Et voilà, et du coup parfois ça en devient un peu pénible pour le lecteur et c'est pour ça que je vous dirais que bien. C'est pour ça que je vous dirais que cette lecture, elle a été un peu en demi-teinte pour moi. Je galère à vous faire cette chronique-là. L'air que tu respires, c'est vraiment une histoire de passion. Une histoire de passion musicale, mais aussi une histoire de passion relationnelle. Et c'est aussi l'incroyable histoire de la samba et de tout ce qu'il faut faire, de tout ce qu'on est capable de faire pour faire partie de l'histoire de la samba. Je me dépêche et je vous fais ces petits mots de conclusion de carnet de lecture avant que mon fils décide
de s'y mettre et de papoter avec vous également. Donc voilà, bref, j'espère que vous aurez passé un très bon moment en ma compagnie et que cette semaine aura été riche pour vous en découvertes livresques, que vous aurez noté quelques titres qui vous intéressent et voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir un petit peu les romans que j'ai découverts cette semaine. Alors même si c'était des lectures en demi-teinte, hein, que ce soit pour mon livre audio qui était La charmante librairie des jours heureux ou L'air que tu respires, ça n'empêche que c'était quand même des découvertes intéressantes, même si ça n'a pas été des énormes coups de cœur. Mais ça ne peut pas être des coups de cœur toutes les semaines. Donc voilà. J'en profite également pour vous dire que j'ai profité de l'après-midi, d'avoir un petit peu de temps pour vous tourner une vidéo pâle automnale. Aïe, j'ai constitué ma pâle pour cet automne. Je sais plus si je vous le disais, mais moi je suis quelqu'un qui aime bien lire selon les saisons. Donc c'est pour ça que je me suis constitué une petite pâle automnale. Enfin petite, il y en a quand même pas mal, hein. Vous verrez, je suis assez, assez ambitieuse. Mais bon, on verra bien. Je vous la publierai probablement la semaine prochaine, ce carnet-là sortira lundi, du coup je sortirai la vidéo très probablement jeudi ou vendredi. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce soir, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt, ciao !